Le Père Noël a été intercepté en début de nuit alors qu'il survolait les États-Unis. En cause, certains cadeaux qu'il devait distribuer lors de sa tournée. Leur saisie a confirmé qu'il s'agissait d'ouvrages négationnistes qui contestent la réalité des chambres à gaz nazies. Dans de nombreux pays, la diffusion publique des thèses négationnistes est condamnée par la loi. Le Père Noël a été appréhendé sans violence. Interrogé, il n'a pas contesté la distribution de tels ouvrages aux adresses qui lui étaient fournies, ce qui relève de la complicité active. Il a été extradé vers Israël où il sera jugé pour négationnisme. À Tel Aviv, la police a dû écarter des juifs orthodoxes qui voulaient s'en prendre au Père Noël alors qu'il était conduit en prison. Pendant ce temps, des prières étaient récitées pour demander à Dieu de préserver la mémoire. Et disons Amen. Voilà. Je l'ai sur les tablettes, je te l'ai donné. Ouais, je l'avais en format PDF. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, va. Ah oui, oui c'est possible, je te l'ai donné. Ouais. Non, mais c'est Minecraft qui voulait. C'est Minecraft. Mais il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo, Minecraft. C'est pour les gamins.